Good morning, allez, il y a une chose aujourd'hui, le Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dora Bat Esther et Elio Hanish. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Perek Vav Mishnah Aleph, Anoder, Miname Vouchal, Mutar, Batsali, Uvachalouk. Amar Konam Tafshil, She'eni To'em, Asur, Bemaase Gdera Rach. Ou moutar be ave, ou moutar be beitzat tarmita, bilat aremutza. On va voir quelques sujets un petit peu lourds à étudier, dans la mesure où on a déjà évoqué le principe que benedarim olchim achar lachan benedam. Lorsque je prononce un neder et que je m'interdis une chose, et je parle de manière générale parce qu'en ce moment je suis fâché face à une certaine situation, peu importe, et j'ai interdit une chose en exprimant un terme qui englobe d'autres choses, après on s'intéresse à savoir, bon, qu'est-ce que tu as inclus dans ton terme? On avait rapporté l'exemple, on avait parlé des... je mets plus les pieds chez les Marocains, je fais le neder. Et c'est quoi les Marocains? C'est ceux qui prient dans la synagogue des Marocains, c'est ceux qui sont nés au Maroc, c'est ceux qui sont descendants de l'Orange, c'est ceux qui mangent de la dafina le Shabbat. Qu'est-ce que... Comment on définit? Ouais, c'est la problématique. Là, on va avoir de nouveau, on va s'intéresser dans ce Perek, à définir les choses, qu'est-ce qu'on appelle les choses. Par exemple, tu étais au régime, tu mangeais des légumes et tu as mangé de nouveau, tu t'es laissé aller un petit plat. Et tu as fait un éder, tu as pu manger un petit plat. C'est quoi un petit plat? Qu'est-ce qu'on inclut? Un œuf cuit, c'est un petit plat. Un œuf à la coque. Ouais, c'est la problématique en fait, de savoir. Et comme ça, ça va être un peu un péré qu'on va s'intéresser à définir toutes sortes de choses. Et voilà quoi, on va faire comme on peut. Première Mishnah, ça va être encore gentiment expliqué. Deuxième Mishnah, ça va rentrer dans trop de détails que le partenaire va dire, bon, tu sais quoi, finalement, on va regarder comment les gens lui parlent chez toi et comprendre que c'est interdit. Tellement qu'on va rentrer dans des détails un peu trop compliqués. Mais pour le moment, c'est relativement simple. Un oder minamevu shal, celui qui fait un éder d'un plat cuisiné. Et je précise que ça veut dire cuisiné. Dans le Lashon HaKodesh, dans la Torah, on différencie trois plats. Trois sortes de cuisson. En hébreu, en français, on dit on a fait cuire. Ouais, on n'utilise pas tellement, on a fait cuire du pain. On a fait cuire un œuf et on a fait cuire une soupe. En hébreu, on différencie. Et aussi, on a fait cuire. Bon, et après, on a frit. On différencie quand même le mot de la friture d'autres choses. Mais en hébreu, il y a un terme pour chaque type de cuisson différent. Le terme, par définition, les vachelles, faire cuire, c'est spécifiquement dans une sauce sur le feu dans une marmite. C'est-à-dire la sauce, le principe de la cuisson, il est que tu fais chauffer un liquide qui est l'intermédiaire qui va faire cuire la chose à l'intérieur. Tu vas faire cuire une viande dans une sauce. Ça s'appelle être mes vachelles. Alors que faire cuire tsalouille, c'est griller au feu. Et le fourneau, c'est le même principe, sauf que c'est juste qu'il y a les fotes et les tzlotes. Et il y a les tagaines aussi, dans ce cas-là, ça fait même 4. D'accord, on va pas rentrer dans trop de détails. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est on a une personne qui était Miname Vouchal, ce qui est cuit dans le sens un plat cuisiné. Il a interdit tout ce qui est cuisiné. Il dit Miname Vouchal. D'accord? Est-ce qu'il a le droit de manger une viande grillée? Et bien, la Michal me dit oui. Moutar batsali ou bachalouk. On laisse le chalouk de côté pour le moment et on s'intéresse à expliquer le mot tsali. Tsali, ça veut dire que ça a été grillé. Tout ce qui a été grillé au feu, c'est permis. Parce que quand tu t'interdis les plats cuisinés, ouais, tu t'étais fait un éder, tu étais au régime, tu voulais maigrir, et tu ne mangeais que des légumes et ne plus manger des plats cuisinés. Et d'un coup, tu t'es laissé aller, et puis bien sûr, une cuillère, une autre cuillère, une autre cuillère, 450 calories en trois bouchées, et du coup, tu dis, ah, je ne peux plus, je fais le néder, que je ne mange plus des plats cuisinés pendant 2 jours. Mais après, tu dis, bon, mais il faut quand même manger des protéines. Qu'est-ce que ça inclut? Est-ce que ça inclut un œuf? Oui. L'œuf, tu n'as pas le droit de manger parce qu'il est cuisiné dans une marmite, il est cuit dans une sauce. Est-ce que tu as le droit au moins de manger une protéine en mangeant une viande grillée? Alors là, la réponse, elle est oui. Parce que la viande grillée, c'est pas cuit dans une casserole. Ok, c'est cuit directement avec le feu qui fait cuire. Et chalouk, alors c'est quoi chalouk? Chalouk, c'est marloquette dans les deux sens. Ça va loin. Soit c'est quelque chose qui est beaucoup trop cuit. Ouais, qui a été complètement cuit au point que c'est devenu de la bouillie. Ou bien, au contraire, c'est quelque chose qui n'a pas été cuit suffisamment. C'était trempé un petit peu dans la chaleur, mais qui n'a pas encore le temps de bien ramollir. D'accord? Il y a deux avis. Amar konam tavshil she'eni to'em. Maintenant, nouvelle situation.
C'est pas qu'il a interdit mina mevoucha ce qui a été cuisiné, mais c'est qu'il a dit un tafshil. Le tafshil, alors là, c'est un plat cuisiné, c'est pas ce qu'on cuisine, mais ce qui est c'est un plat cuisiné. J'appellerais ça plutôt un bon petit plat. Regardez, quand on parle en bon français, qu'est-ce qu'on dit en. Ah, on a mangé un bon petit plat, un ragoût. Non, un ragoût, ça va être différent, ça va être plus dans la prochaine Mishnah. Ouais, c'est des termes qui font plus allusion au fait qu'on laisse les choses cuire longtemps. Longtemps jusqu'à qu'elles vont ramollir. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne. Donc en fait, si tu as dit, je m'interdis les bons petits plats, les tagines de. Ouais, c'est plus oriental, quoi. On mange des tagines de légumes. C'est des plats qui sont très mijotés. Le mot tafshil, ça fait allusion à ça. Et donc, c'est à exclure de là tout ce que tu fais cuire en tchitchak pour que juste ça atteigne une certaine chaleur et que tu le manges. Alors là, c'est plus inclus. Un œuf, tu auras le droit de le manger, un œuf qui a été cuit dans une casserole. On ne fait pas mijoter un œuf. On fait cuire l'œuf dans de l'eau chaude et peut prendre sort. Il n'a pas cuisiné, c'est plus un tafshil, un œuf. Alors, c'est ce que la Mishnah me dit. Amar konam tafshil chez enitoev. Avec une précision que je vous dirai après. D'accord. Il y a une condition inhérente pour pouvoir définir ce que c'est aussi un tafshil. Ça ne suffit pas juste le mode de cuisson, mais il faut encore un autre élément. Mais d'abord, je traduis la Mishnah. Amar konam tafshil chez enitoev. Il a dit je m'interdis le tafshil, le plat cuisiné, le plat mijoté, que je goûte même plus. Asur be maase gdera rach. Il n'aura pas le droit de manger tout maase gdera rach. Tout ce qui a été cuit dans une gdera. Dans une gdera, c'est dans un chaudron, dans une marmite, et qui a ramolli. Par contre, umutar be ave. Il a le droit de manger tout ce qui est encore solide, que juste tu fais cuire pour atteindre une certaine température, mais qu'après tu manges tel quel. Tu ne fais pas cuisiner pour que ça devienne, pour que ça mijote de trop. Ou moutar mais betsa termita, et aussi tu as même le droit de manger une betsa termita, on va expliquer après ce qu'est une betsa termita, un œuf termita, ou une dlaat remutsa, ou une courge remutsa. Bon, ça fait des termes un peu compliqués, on va expliquer. Dans quel sens on va les expliquer? D'abord, le premier, c'est la condition inhérente d'abord, c'est tout en deux mots, tout ce qui est cuit longtemps pour manger avec du pain, vous savez, quand on fait les bons petits tagines de courgettes. À l'oriental, marocain ou truc, et que ça cuit pendant longtemps après, où on mange toujours avec du pain, ces trucs comme ça. Tout ce qui est. C'est une condition inhérente de manger avec du pain, un plat cuisiné longtemps. Si ça remplit les deux conditions, alors c'est interdit, c'est ce qu'on a inclus dans un plat mijoté. D'accord, on aime le manger. J'imagine les choucroutes, j'en ai jamais mangé, mais j'imagine que ça doit être le même principe aussi. Tout ce qui cuit pendant longtemps comme ça, après on mange avec du pain. Ouais. Alors là, ça rentre dans le cadre de c'est un tafshil. Maintenant, les choses qu'on fait cuire très rapidement, ou les choses qu'on fait cuire et qu'on ne mange pas avec du pain, ça ne rentre pas dans cette règle. En l'occurrence, ce betsa termita, alors c'est quoi un betsa termita? On ne sait pas exactement ce que c'est. La Gemara propose tout un procédé original. En deux mots, la Gemara propose un œuf cuit d'une manière très 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 spéciale qu'on avale d'un coup, tel quel. On ne mange pas sans pain. Et le Rambam propose une autre solution, c'est qu'on fait cuire un œuf de manière à ce qu'il ne va pas durcir. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on fait, parce que si l'œuf on le fait cuire, il durcit. Je crois que si on fait cuire un œuf et qu'on le sort avant qu'il se prenne, après on le rentre plusieurs fois, on va atteindre qu'en fait il va devenir chaud, mais sans qu'il va se figer. Alors si on a un œuf pareil, et l'usage il était de le gober ensuite, de le boire d'un coup, alors qu'il avait été cuit, de le boire sans pain. Donc c'est ça ce qu'on parle. Ok, peu importe. De la tremouta, c'est une courgette, une courge, qui est remoutsa, qu'on trempait dans des cendres chaudes, pour la faire cuire, en fait, on l'a laissé, un peu comme les enfants, ils aiment bien la gourmère, qu'on fait, les petits-enfants, ils aiment bien faire, après le lac gourmère, après la médoura, une fois qu'ils restent, ils amènent des pommes de terre avec, il y a des enveloppes dans l'aluminium, et les font cuire, ouais, et on fait la même chose avec une blatte, avec de la courge, on l'enferme, on la met comme ça dans des cendres, et ça cuit grâce à la chaleur, de nouveau, c'est pas inclus dans le tafshil, même si ça cuit pendant longtemps. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.